Bonjour les gars, la Chris, bien retrouvé, bon lundi, bon début de semaine à tout le monde. Donc, quoi dire? Alors, on part de l'Inter rapidement. Vecino, Vecino, demande visite médicale confirmée. Demande visite médicale à l'Humanitas, à Rossano, près de Milan. Mercredi, il travaillera avec ses coéquipiers. Dalbert, peut-être, la dernière info, il peut être arrivé même avant le match de retour à Ajax. Ajax Nice, au pire, peut être officialisé à selon Sky et toutes les médias italiennes mercredi soir ou jeudi au plus tard. Caramo est toujours proche de nous. Sabatini il veut le clôturer et veut boucler sa négociation. C'est une demande explicite des Spalletti. Après Keita, tous ces joueurs-là, tout à savoir, ça va se faire. Après mi-août, pas avant. C'est difficile de le faire avant parce que c'est compliqué. Lui, il a fait un contrat, donc l'autre, il veut tout d'abord 30 millions. Et je la joue, on ne sait pas s'il vient pour nous casser les couilles parce qu'il veut le prendre, je ne sais pas. Le Tito, en tout cas, préfère donner l'Inter. On verra bien. Chic, pareil, il faut attendre le 15 août, le 10 août, qu'il fait sa visite médicale. Et après, il pourra venir à l'Inter aussi. On verra. Tout est en devenir, sur ce côté-là. C'est ce qui est externe, à droite, à gauche, il faut attendre. Perisic, plus passe le temps. Plus difficile qu'il peut aller à United pour le remplacer. Donc, c'est lui qui va partir, et évidemment qu'on a un remplaçant. Donc, c'est ce que je vais vous dire aussi. Mourinho, très proche du Valence. Très proche du Valence. 15 millions l'offre du 15 millions le prix de l'Inter, 11 offre Valence. À 13, on peut boucler. On dit que Cancelo, il peut rentrer éventuellement dans cette négociation parce que Valence sera intéressé à Kondogbia. Et moi, c'est pas Kondogbia, je suis content, même si je dis qu'il n'a pas mal fait, mis à part ce super but qu'il a fait. Mais une, qui est les Strasbourg, il y a du Strasbourg, putain, les Strasbourg, comment on dit en français, on ne met pas le mot. Du Strasbourg, mais bah, bon, qui ne voit pas que les yeux, en tout cas, il a fait ce but-là, vous dites qu'il y a des pieds carrés, c'est pas ce qu'il voulait faire quand même. Enfin, bon, bref. Et donc voilà, donc on va voir si Kondogbia peut rentrer dans sa négociation. Marcelino veut changer sa défense, donc c'est pour ça qu'il demande Mourinho. Mourinho veut jouer titulaire la prochaine année parce qu'il y a la Coupe du Monde. Donc voilà pourquoi Mourinho a déjà dit oui. Et il lui propose Garay Abdennour. Allez, Garay Abdennour, tu peux te regarder, monsieur Marcelino. Si veut, on te donne la Pantegana, on te donne Kondogbia et on fait Cancelo. Aurier, tout le monde a dit qu'il est proche de le United. Il y aura déjà un accord entre lui et le United. Il faut voir après la négociation avec Paris. Pour le moment, on attend de voir ce qui se passe avec sa condamnation. Parce que la condamnation elle va être retirée, donc lui pourra partir le United. Autrement, alors l'Inter est toujours dans les courses. Mais on va voir si Jean-Mario, on parlait des 30 millions d'euros d'offres de Paris Saint-Germain. Et Aurier, on va voir si ça arrive déjà avec ce flotteur Neymar, donc la visite médicale de Neymar. La visite médicale, officialisation mercredi, on parle directeur d'une présentation aux Champs-Élysées. On verra bien, on verra bien. Donc, moi je pense qu'une fois que Neymar sera officialisé, ça va faire un effet domino. Donc, il y aura un bon tour des jours à prendre. Il y a Lucas Moura qui va partir. Nous, on va prendre Di Maria. Di Maria, elle a été demandée par Messi, par un monde. C'est-à-dire que Barcelone, ils suivent entre autres Dybala, Dembélé, maintenant on parle de Griezmann, on parle de Draxler, on parle de Di Maria, on parle de Verratti, parce que Paris Saint-Germain, il doit faire des sorties pour 110 millions d'euros. Peut-être qu'il veut vendre Verratti et aller sous Joao Mario. Moi, je le mets comme ça, je sais rien. On verra bien ce que ça va. Qu'est-ce que ça va venir? Après, on va prendre le milieu du Porto aussi. Danilo Ferreira, je crois, le meilleur joueur du Porto. On verra bien. Caramo, comme je dis, c'est Spalletti qui le veut. Mais sinon, c'est fait. Moi, j'ai entendu que l'Inter est venu en France, pas seulement pour ça, mais éventuellement pour s'approcher, en tout cas, d'un milieu de défensive français. Et on parle d'Issa Diop. C'est des nouvelles qui méritent d'être confirmées, donc on ne peut pas dire. Bref, mettons, on va faire une petite. L'ostracisme des comptes de bière. C'est sûr qu'il y a des gars comme ça, comme fait, je joue au foot, le mec. Putain, tu vois des photos, là, comme ça.
Comment on fait, bordel? Bon, bref. Et petit bilan de premier mois, pas encore, mais bon, les premières 4 semaines, 3 semaines de Spalletti. Déjà, on a vu toute notre méthode de travail. Donc, bravo au coach Spalletti, bravo à son staff, à son préparateur physique. L'équipe, déjà, même si faisait chaud, il courait plus que les autres. Donc, ils seront bientôt prêts. Il travaille beaucoup, même en salle de sport. Je suis content de ça. C'est clair que faire pire de l'an dernier, le pré-saison de l'an dernier, c'était catastrophique. Mancini ne faisait même pas quasiment pas l'entraîneur de l'équipe, s'entraînait quasiment pas. On prenait 5-0 dans Tottenham. On prenait 4 points dans Bayern, dans l'équipe réserve du Bayern. On avait joué le petit Black, on a fait 3 buts là. Et c'était en réserve de la réserve. Imaginez-vous. Donc déjà, il y a des millions. Ça va rien dire que l'Inter va revenir, ça va rien dire que l'Inter gagne. Les gars, je donne mon opinion à moi personnelle, Jovetic, moi je le vende, je le garde pas parce qu'il n'a pas la tête, parce que c'est un mec qui veut être titulaire, il veut la garantie de jouer tant de numéro de match, autrement il n'arrive pas à être concentré. Ok, il mouille le maillot, là, il est techniquement, on ne discute pas, il n'a pas la tête, on le connaît, il n'a pas la tête, les 2 ans qu'il est là, il n'a pas la tête, il n'est pas concentré, c'est les particuliers, c'est la salle, c'est un flop. Condobia, pareil, moi, ok, tout ce que vous voulez, je le félicite, quand il joue, c'est mérite, mais moi, je ferais bien volontiers à moins de lui. Medel, pareil, Medel n'est même pas rentré, hein, il n'est même pas rentré. Toujours, il manque encore un petit peu avec les Tigresses parce que lui, il veut des sous. Mais en tout cas, finir à repartir. Murillo, je vais le dire, on parle de Cancelo, machin. Quindi les nouvelles sont comme ça. Par contre, si vous voulez des tops comme ça, là, il faut encore attendre. Après, maintenant, on est 31 juillet, si on vend Perisic, on doit avoir une remplaçant. Donc, tout le monde me parle de Di Maria. Avant la fin, je dis que c'est Lucas qui est plus proche de venir à l'Inter, hein, que Di Maria. Et après, il y a qui disent que c'est un vrai, que c'est pas un vrai. Bref, moi, je dirais que Lucas, dans le jeu de Spalletti, il pourrait devenir un bon joueur. On a vu Perisic, que c'est Perisic à la tête, il est beau. Et on revient maintenant à mon pote Icardi, qui a relâché à Courrier de la Sport une interview qui est bon. Ok, tu as fait ton interview. Tu as dit que quand Spalletti, c'est tout changé. Qu'il nous fallait un coach comme ça. Que l'année dernière, les joueurs ne s'entendaient pas bien pendant les entraînements. Putain de merde, tu l'as dit, même quand Pioli, c'était la même chose. Quand il y avait des beurs, c'était pas la même chose. Pioli nous a motivés, Pioli patati, Pioli patata. Avec les joueurs, qui s'appliquaient pas pendant l'entraînement, tu continues à dire la même chose. Et tu as dit la même chose quand il est arrivé des beurs. Alors, moi, je ne veux pas te critiquer, mon poteau. Maintenant, tu vas rentrer. Dans mercredi, apparemment, tu rentres dans le groupe à plein régime. Une chose que c'est bien pour nous, parce que tu as besoin d'apprendre les mécanismes de jeu de l'équipe. Donc, moi, je les soutiens quand tu joues pour l'Inter. Certainement, je ne peux pas me dire ce que tu as fait l'année dernière et tes renouvellements que tu as fait. Ce n'était pas une chose digne d'un capitaine. Voilà pourquoi je veux dire que c'est seulement le maillot, mais pas les joueurs, les gars. Donc, Icardi, il faut qu'il apprenne de jouer. Et qu'est-ce qu'il a dit Icardi en conférence de presse? Les premiers défenseurs de l'Inter avec Spalletti, ils sont les attaquants. Donc tout le monde doit bouger. Icardi, d'un seul côté, il y a les numéros qui parlent clair, que c'est un grand buteur. Et le but, il les fait toujours et toujours les faire. Maintenant, on sait que l'équipe de Spalletti, tout le monde doit s'en mêler, tout le monde doit se casser le cul, tout le monde doit défendre, tout le monde doit faire pressing, parce que l'équipe de Spalletti, ils font un pressing très haut, à commencer dans Zeko contre le Roma, Sarah Icardi. Donc, il faut cavaler. Et on a vu que Zeko, des fois, il sortait. Donc, tu ne pourras pas râler comme tu as fait comme Pioli. Dites ça, ok, tu as fait une interview, tu as dit ce que tu devais dire. Maintenant, il faut que toute chose que tu as dit là, je vais les voir sur le terrain. C'était le capitaine. Montre-toi digne, être capitaine. Jusqu'à maintenant, tu n'étais pas digne. Je te le dis honnêtement. Et c'est mon opinion personnelle, les gars. C'est mon opinion. Vous ne devez pas écouter moi, c'est mon opinion. Voilà. Moi, c'est ce qu'a fait l'année dernière, ça ne se fait pas. Ce n'est pas un capitaine qui fait ça. Voilà. Et donc, pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas grand-chose. On attend de voir si ce flotteur Neymar il va être bouclé. Comme ça, il va déclencher l'effet domino qu'on attendait pour voir ce qui se passe. Donc, Bessino, demain, visite médicale à partir de 9h à l'Humanitas Clinique de Milan. Mercredi, il travaillera avec les coéquipiers. On attend d'Albert.
Et voilà. Et on verra pour Caramo et tout le reste. Tout le reste est encore en devenir. Les noms, ils vont, ils viennent, ils vont, mais on ne sait pas si c'est Keita, si c'est Di Maria, on verra, les gars. Pour ces choses-là, c'est nouvelle. Un jour, c'est go, un jour, c'est jaune, un jour, c'est rouge, un jour, c'est vert, on ne sait jamais. On commence à parler des choses qu'on a pour le moment. Voilà. Bisous et seulement le maillot. Ciao, les gars.